Et coucou, nous voilà, donc il est donc 16h, on part une heure en retard, comme d'habitude. Et Kikiki n'est toujours pas attachée. Ça passe mal du temps. Ça passe mal du temps, donc ça prend du temps. Ils sont trois. Alors du coup, si on essaie de les mettre sur le même siège, parce que j'ai pas envie qu'ils se mettent au milieu, sinon ils vont faire un accident, ils vont passer en avant. Ah, alors, je vous ai mis comme il faut cette fois. Pour que vous puissiez voir un peu la route. Donc c'est à peu près le même chemin que l'autre jour pour la monsieur, sauf qu'on va s'arrêter avant pour Moiran en montagne. Donc apparemment il y a 6 chalets dehors, donc 6 exposants dehors, et tout sous l'hôtel de ville. Voilà, donc à voir. Vous voyez notre beau temps de malade. Donc par contre, du coup, je pense que ceux qui sont plus haut ont le soleil, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, on va quitter Kutura, donc par le haut du village. Voilà. Donc là, il faut que je me méfie. Voilà. Donc comme je vous disais l'autre soir, le garage, il est juste là au coin. Là, il y a l'entrée. C'est la seule chose, c'est le seul commerce qu'il y a à Kutura. Avant, il y avait donc ce garage quand j'étais gamine, et puis il y avait le bar. Voilà. Et il n'y a plus de bar. Par contre, dommage. Voilà. En fait, là, on redescend. En fait, on est toujours. C'est toujours Kutura ici, sauf qu'ici, il n'y a pas de maison. C'est tout selon là, il n'y a pas de. Personne qui a acheté, qui a construit, ça doit être des terrains agricoles, je pense. Voilà. Et en fait, pour arriver là où nous avons du coup l'auberge du vieux moulin, et en fait, le moulin il se trouve sur ma gauche à moi en bas là-bas. Vous pouvez pas le voir. Je vous filmerai un coup à l'occasion. Là, par contre, on vient de traverser la petite rivière que je vous ai filmé l'autre jour là, le Taku. Ah, il est un peu moins gros que quand je vous l'avais filmé, mais il est encore pas mal. Voilà. Que dire d'autre? On va s'arrêter vite fait à Saint-Lupicin pour retirer un peu d'argent. Et puis, bah voilà. Donc, on va essayer de pas non plus acheter pour acheter. J'ai aussi, du coup, un toucou à récupérer chez Marie Blachard. Donc à Oyonnax dans le 01, puisque après nous allons à Bélinia et c'est juste, ça touche Oyonnax. Donc je ne fais pas de détour du tout, c'est top. Après. Voilà. Donc aussi je voulais dire, à Bélinia, il y a l'école de mon cousin. Et hier, c'était la fête de Noël à son école. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc nous, la fête de l'école de Noël, donc en fait c'est vendredi prochain. Donc c'est la semaine où Charlie est chez son papa. Donc je ne sais pas trop si il va pouvoir assister à la fête ou pas. J'espère, ça serait bien. Donc moi je vais leur faire un gâteau. J'avais dit que j'étais à l'installation, mais en fait non. Je vais faire qu'un gâteau. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Il y en a qui font rien depuis Vitam Eternam. Moi, ils m'ont un peu déçu la sauce, donc je fais un gâteau. Je m'étais dit, sois moins con qu'eux, va les aider, mais en fait, non, je peux pas. Là, pour le coup, j'ai envie d'être très conne avec eux, comme ils ont été très cons avec moi. Voilà. Hop, donc on traverse donc Saint-Lupicin. C'est pas très grand, mais c'est. Voilà, il y a des trucs. Il y a une boucherie, un traiteur, pharmacie, il y a deux banques, il y a un petit bar. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des. Une musicothérapeute, on a une médiathèque, il y a une boulangerie, la banque elle est là, moi je m'emballe. Hop! Je m'emballe. C'est tout en travaux. Je vais vous mettre là 2 secondes. Je vais vous mettre pause. Et je vous reprendrai plus tard. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Faites pas les fous. Et nous revoilà à bord du petit bolide. Du coup, alors, bah, j'ai pas retiré dessous parce que l'automate, il a plus de thunes. C'est pas moi qui en ai plus pour une fois. C'est lui.
Donc avec les fêtes et tout, je pense que, ouais, je sais pas comment ils en ont plus, je sais pas, je trouve ça très bizarre. Je vais du coup aller à une autre ébène. Voilà. Mon Dieu, elle a marché vite, elle. On l'a vu tout à l'heure. Quoi ? La vieille, là. Enfin, la vieille, elle a pas l'air d'être si vieille que ça, j'abuse. Alors là, c'est un petit bureau de tabac, j'adore. Il y a un autre bar, vous voyez, il y a deux bars. Il y a la Brapa, c'est pour les personnes âgées. Il y a la mini crèche, là. Et on a aussi un centre plus haut, un peu plus loin et plus haut. Il faut tourner sur notre droite, là, puis il faut monter un peu. Un centre pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Voilà. Donc il y a le centre pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Et en fait, il y a des petites maisons, des petits apparts tout autour pour les familles, en fait. Voilà. Qui sont un peu loin. Et du coup, on va aller jusqu'au B1 pour essayer, du coup, de retirer les sous que je n'ai pas réussi à avoir à la banque là, parce qu'en fait c'est ma banque là, c'est la banque Hop. Donc non, c'est pas solde insuffisant ou truc comme ça, c'est bien billet momentanément indisponible. Donc voilà, on va aller voir au B1. De toute façon, ça me change pas ma route puisqu'on va à Moiran. Voilà, ça va. J'ai jusqu'à 19h pour récupérer mon comment s'appelle, mon Too Good To Go, donc de chez Marie Blanchard. Voilà, ici on a les orphelines. Oh, le sapin. Chez les pompiers, alors ils sont déjà passés. Moi, pour le calendrier, j'aurais donné 10 euros. En fait, je donne toujours 10 euros, depuis que j'ai des apartés et qu'ils passent avec les calendriers, j'ai toujours donné 10 euros. Voilà. Je trouve que c'est important de voilà. Bon, après, je trouve aussi que c'est un peu abusé dans le sens où ils se déplacent plus trop pour rien non plus. Hein. Genre, vous avez un bonus trop long, c'est démerdez-vous. Enfin, voilà. C'est juste un peu ça qui est dommage. Et je pensais qu'à la base, honnêtement, je donnais pour les calendriers, en fait, un peu pour ça, parce que je me disais quand même, c'est les seuls à se déplacer, on n'est pas obligé de payer une entreprise, machin, patacoufin. Puis ça, en fait, c'était dans le temps, hein, c'était avant. Mais à côté de ça, je reste une soignante, et donc dans le soutien, c'est des collègues pour moi, les pompiers, donc je continue malgré tout à leur donner. Voilà. Donc là, nous traversons l'avant maintenant. On n'est plus du tout à Saint-Luc, hein. C'est deux, c'est en fait c'est le collège qu'on a, on est passé devant tout à l'heure, c'est le truc qui fait le lien entre les deux pattes là, voilà. Hop. Hop, alors là ils ont foutu des feux rouges de partout, ils sont à fond, mais pour l'instant ils ne fonctionnent pas. Alors par contre, l'autre jour j'étais allée à la Chaumus pour la danse avec les gamins là, et donc par contre là-bas ils en ont foutu un à Chaud-des-Prés. Bon, là-bas par contre, en fait, apparemment, faudrait quand même le respecter. Il serait bien pour, il serait bien pour nous quand même malgré tout. Donc, pas pour les gens qui roulent, hein, normal. Oui, effectivement, vous n'allez pas le mettre là par hasard, hein, faut pas non plus. Mais je sais pas à quoi il sert, je comprends pas. Enfin, je vous montrerai la prochaine fois qu'on va y faire un tour. Puis voilà. Hop, donc là, on va là. Donc en fait Charlie retourne donc à l'école lundi matin, donc c'est moi qui vais le poser. Et après il part donc une semaine avec son papa. Voilà. Ah merde, mais qu'est-ce que je fais? Je vais comme si j'allais vraiment au B1. Non, je vais juste retirer des sous, je vous jure. Hein. Je vous discute et du coup je suis pas du tout concentrée à ce que je fais. Ça craint d'ailleurs. Puisque normalement dans la visualisation, je devrais même pas faire ça. Et je devrais juste. conduire et ne pas me faire déconcentrer par la caméra. Voilà. Hop, je vous coupe. Et voilà. Nous revoilà partis, les gars. Dure la culture. Vas-y, ferme ta fenêtre, Charlie, s'il te plaît. Merci. Comme ça? Non, non, en plein, ça caille. Merci. Hop. Alors par contre, vous êtes foutus, je sais pas. Parce qu'il fait pas beau.
tout parce qu'on part aux aides pourries. Sûrement. Allez, nous voilà repartis. Du coup, moins rien. Mais bon, c'est déjà 4h15. Tant qu'on arrive là-bas, je sais pas à quelle heure on va arriver. À Béligna, je sais pas. C'est dommage par contre parce qu'il est bien, je pense, le marché quand même à faire à Moiran. Donc bon, bah y aller. On peut quand même aller tout de suite à Béligna. Mais non, parce qu'en fait à Béligna, de toute façon, ça ouvre qu'à 5h. Donc voilà. Donc on a le temps d'aller quand même un petit coup. C'est sur la tombe de maman, je sais pas si ça vaudra le coup d'y aller parce qu'il va faire nuit. Donc je sais pas. Voilà. Puis je pense que pour Charlie, c'est quand même plus intéressant d'aller sur un marché de Noël que au cimetière, hein, soyons clairs. On va aller dire bonjour à Manu. On va aller faire notre petit tour sur le marché de Moiran quand même pour voir ce qu'il y a. En espérant qu'on puisse se garer. Si je vois que franchement c'est la merde à se garer, machin, on remballe, on trace. Hein. Voilà. On remballe, on trace. Ah là, vous avez un gros truc, c'est Smoby, les jouets. Voilà, c'est chez nous aussi. C'est qui fabrique tous les jouets là-dedans? C'est les lutins du Père Noël. Non, c'est vrai. C'est pas l'usine principale du Père Noël, mais ça fait partie de ses usines, ça. Du coup, est-ce qu'on a le droit d'aller dedans ou pas? Ben non. Eh ouais, en fait je crois qu'on a droit qu'une fois par an. Et du coup ils mettent pas des lutins dedans. Ils mettent des gens comme nous quoi. Parce que le Père Noël il veut pas qu'on voit ses lutins. Que quand il les envoie dans les familles pour passer les vacances. Voilà. Donc en fait, vous voyez à la route on voit rien hein. Donc l'autre jour c'était la pluie et là on a le brouillard. Voilà. Donc pas trop de chance pour le coup. Désolée. Voilà, donc je vais vous laisser, puis je vous reprendrai un petit coup sur le marché s'il n'y a pas trop de monde. Allez, ciao, ciao, faites pas les fous!